Hello les amis, c'est Willy et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur les Lego Star Wars, la saga Skywalker. Et cette fois les amis, on part dans l'épisode L'Empire contre-attaque. Et c'est parti! Aucune trace de vie, Général. Les détecteurs sont posés, vous verrez si quelque chose s'approche. Je sais bien qu'il fait froid, R2, mais nous n'avons pas le choix. La princesse Leia s'inquiète pour Maître Luke. Tu as parfaitement raison. Nous devons trouver le capitaine Solo pour lui dire que Maître Luke n'est toujours pas rentré. Si le capitaine Solo n'est pas dans le regard, alors il doit se trouver au centre de... Allez, c'est parti! C'est quoi ça? Ouais, ok, non, façon ça, c'est des choses qu'on verra en live tôt ou tard. Ça fait partie des défis au cours. S'il y a tellement exploré, mine de rien. Bonjour. Ça a intérêt à être important parce que je... Excusez-moi, la princesse Leia s'inquiète pour Maître Luke. Il n'est pas revenu. Il a peut-être oublié de pointer. Peu probable. Les speeders sont prêts? Pas encore. Nous avons du mal à les adapter au froid. Dans ce cas, sortons les Tauntaun. Il a oublié de pointer. Recalibrant ces tours de signalisation, nous pourrons renforcer le signal comlink de Luke et retrouver sa position. Si vous le dites, Général, allons-y. De nombreuses créatures, grandes ou petites, habitent ces plaines. Certaines sont amicales, comme nos Tauntaun. Ça tangue, wow. Super, des droïdes de reconnaissance. On ne peut pas les laisser quitter la surface. Hey, tu penses pouvoir faire marcher ce truc? Ces canons pourraient s'avérer utiles. C'est bon, on a eu chaud. Enfin, c'est long pour tourner. C'est fait exprès ou... Je crois. Ouais, soit c'est fait exprès, soit c'est vraiment mon dieu qui est mort. Hein. Ah non, il tente doucement. Ouais, non. Des sous-sous. Oh. Ah, c'était écrit les deux. C'est ça et quoi ça? Ouais. Je pense pas que ça sert à ça. Ah, c'est quoi, tous les points sont loin? Attends, du coup, je suis vraiment obligé d'aller là-bas.
Mais comment je fais pour passer là? Il y a bien un truc qui va se péter. Oh ben, comment ça monte? C'est quoi ce problème là? C'est bon. Ah, c'est ce délire là en fait que je comprends pas, c'est... Je sais pas, il vise et puis d'un coup, pouf. Il coule aussi, non? Ah bah non. Oh. Il faut aller au sommet pour la recalibrer. Y'a pas... Bah il est mort comment lui? Alors au bout il a fait une crise cardiaque. Alors, comment monter? Ça fait un drôle de move le bonhomme. Ah d'accord, ouais. Ouais. C'était pas mon ventre en fait. Restez sur vos gardes. Une en moins, mais le signal est encore trop faible. Trouvons d'autres tours. Hey, encore deux tours. Aïe BDI. On peut monter comme ça, la tyrolienne. Je suis là aussi, sinon. Merci, Riekan. Restez bien au chaud. Bon, bah, la porte d'entrée, ça va être là-bas. Vous en faites pas, vous vous remettrez de cette douche froide. Ah, parce que. Un ancien avant-poste. Il doit y avoir une tour de signalisation. Ils mettent des chemins, mais... Oh. Ouais, bah c'est un défi, ça. Ok, une caisse à pousser pour monter où? À ce niveau-là, c'est pas comme les autres, là. Hein. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de descendre pour l'instant? Ok, je vois le délire, en fait. On va refermer la porte, ça va être une échelle. Et la porte va nous servir de pont. Oh, ah, l'intelligence. Voilà. Ouais, c'est pas toi. Faut pas tirer dessus là. Ouais, des sous. Aimant tourelle. Mais bon.
Ici. C'est bien fait quand même. Je vais être gentil, je vais vous laisser grimper cette fois-ci. Tu tournes toi, ouais. Sumo. Allez. Oh mec, qu'est-ce qu'il me paye? Oh mec, qu'est-ce qu'il est bête. Allez, tourne. Ah! Viens ici. Mais non, mais non, mais non, recommence pas! Mais pourquoi il a du beurre sur les yep? Oh non, hein! Mais la gueule, viens ici! Je crois que je me sers du joystick pour en mode. Tu le mets en haut, hop, ça passe, mais je crois en fait, il y a juste appuyé sur quoi, hein. J'ai l'impression qu'il faut aller jusqu'au bout pour que ça tourne. Allez donc! Faut pas être pressé, hein. Ah! Ah! Non, 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 tombe pas là. juste croix en fait. Pas besoin du joystick. Qu'est-ce que c'est que ça? Un wampa. Raison de plus de se dépêcher. Très bien, maintenant ta dernière. Luke est toujours quelque part. Et c'est reparti. Bon, pour l'instant, c'est pas le... l'épisode le plus dingue, hein. Mais là, c'est vraiment... bah, un niveau quoi, comme. Oh! J'ai cru que c'était de la neige! C'est vraiment un niveau où on joue quoi, il y a vraiment des petits trucs à faire. Hey, tout le monde n'a pas la chance d'être couvert de poils, termine plutôt de réparer le faucon. C'est pas comme les autres c'était plus. En mode cinématique quoi. Oh oh oh. Ah, ça dégage. Pourquoi vous n'avez jamais enlevé la glace ici? Dans ces conditions, autant essayer de dresser un rafter. Un rafter. C'est tout? Attends, il y avait une échelle là? Ouais, un petit rebord.
Ah, elle était pas si compliquée celle-là. Ah. Je crois que j'ai rien dit. Allez, monte. Ouais. Je dirais qu'elles ont déjà retrouvé la position de Luc. Alors qu'attendons-nous? Allons le trouver avant que les conditions météo n'empirent. Oh là là, quel warrior! Ah, c'est une grotte. Dans le système d'Agoba. Hein? Là-bas, tu suivras l'enseignement de Yoda, le maître Jedi qui m'a formé. Ben! Ben! Luke! Ben! Ben! Oh. Oh. Maître Luke, c'est une joie de vous voir de nouveau au Opéra Scanner. Merci, c'est trop cool. Eh bien, Altesse, on dirait que vous avez réussi à me garder encore un peu dans le coin. Où votre cerveau laser va-t-il chercher des illusions aussi stupides? Oh, tu peux rire, boule de poil. Princesse, nous avons un visiteur. Tu ne penses qu'avec ton estomac? Un droïde sonde impériale. Je l'ai à peine touché, il devait être muni d'un système autodestructeur. Général, une flotte de destroyers stellaires émerge de l'hyperespace dans le secteur K. Préparez-vous pour une attaque au sol. Ok. Elles sont fraîches, mes nouvelles hyper fraîches. T'as entendu, R2? L'Empire approche. Alors... Speeder, et vite. Tous les porteurs de troupes à l'entrée nord. Les transports lourds partiront aussi chargés. Deux chasseurs des camarades à toi. On ne peut désactiver le champ d'énergie qu'un bref instant. Alors encadrez bien votre vaisseau. Allez. Il fait son timide. Les salves du canon à ion feront en sorte d'écarter les vaisseaux ennemis de votre plan de vol. Une fois que vous aurez franchi le champ d'énergie, gagnez directement le point de ralliement. Compris? Bonne chance. Il est loin d'être en parfait état. Et on peut le réparer. Pas vrai, R2? Super! Le moteur est comme neuf. En revanche, il faudra une nouvelle aile si on veut voler. C'est à moi de le construire ou... Ah. Ah bah on va tout casser! On a réussi. En route, R2.
Ah, c'est fait esprit qu'il est bancal comme ça. Des quadrupodes impériaux. Écho station 3 et 8. Alors là, si c'est moi qui pilote les gars, vous savez ce que ça veut dire. On est dans la merde. Ici Rock 2, les TSTT descendent. Ok, c'est que le joystick ce moment-là. On va les réchauffer un peu. Booster, tirer, ok. Oh, c'est bon, je l'ai eu. Bien joué, Luc. Les on continue. Allez, on fuyons. Nous avons besoin de ce générateur pour alimenter la défense planétaire V-150. C'est la seule arme assez puissante dont nous disposons pour lutter contre ce destroyer stellaire en approche. Dans le mille. Je t'aurai. Encore pété. Je pensais m'enfuir à autant. Ouais, je vous en prie, on va repéter. Des sous-sous. C'est mieux de loin. Luc, faut arrêter cet effet pété. La base ne tiendra pas longtemps. Nous sommes fichus. Personne ne pourra nous sauver. Ne t'en fais pas, C3PO. On s'occupe de ces TBTT. Détends-toi. T'inquiète. J'y vais. Très bien, les gars. Et sous-sous. Ouais, bah apparemment c'est par là. Ouais, mais j'arrive pas à tourner. Je ne peux pas regarder ça. J'avais envie d'éternuer en plus. C'était pas évident. Et j'y travaille. Tu as parlé trop vite, Wedge. Prépare-toi. Allez, tombe. Mais c'est bien fait quand même. On va peut-être s'en sortir. Bio. On dirait que ça te surprend. Les chances n'étaient pas vraiment en notre faveur. Attends, pourquoi il dit 1 sur 3 et le premier comptait pas ou... Comment le faire péter? Non. Ok, le premier c'était un entraînement. Hein. J'ai envie de le faire avec le boost, mais non. Continue comme ça, Luc. Eh ben, ça tombe pas, d'accord. Arrête. Ah, je fais le. Pourquoi d'un coup ça... Oh, ça accélère.
l'ordre d'évacuation. Attendez, c'est pas Dark Vador. Venez, ça suffit. Tous à bord des transports. Transport, ici Solo. Décollez sans nous. J'emmène la princesse à bord du Faucon. Allez, venez. Mais où allez-vous? Revenez. Fuyez, on a dit fuyez. Bah, il était petit ce niveau-là. Y'a pas de temps à perdre. À bord du Faucon. Et vite. Non, je l'ai laissé à la cafétéria. Pourquoi suis-je devenu aussi? Cassez-vous, cassez-vous. Est-ce qu'on a encore des grenades? Non, on n'a plus. Non. C'est pas mal aussi les grenades. Il ne peut pas t'échapper. Ne m'oblige pas à te détruire. Bisous. Ne semble point tué. Non mais voilà quoi. C'est mon shoot, d'accord. Ouais. Oh. Pas toi qui est 8. Quoi, qu'est-ce que t'as toi? Tu vas faire la bagarre? Limite, je pense que ça ira plus vite à la bagarre. De quoi parle là? Mais fuyez, bon sang! Fuyez! Bon, nous c'est par là. Vous allez nous lâcher, oui? Allez, bon sang! Le hangar, loué, soit le créateur. Nous sommes presque en sécurité. Mais je vous suggérais de... Pousse-le. Pas lui. Le Faucon. Mais oui, R2, on part, on part. Préparez-vous à passer en vitesse lumière. Il se rapproche. Ah oui? Regardez ça. J'ai remarqué que l'hyperdrive était endommagé. Impossible de passer en vitesse lumière. Oh super, mais il y a encore moyen de l'esmer. Ok, Chewie, t'es prêt? Non, on n'arrivera pas à l'esmer, c'est moi qui pilote. Chez-vous, ça va secouer. On va où comme ça? Bon, on va prendre lui, hein. Voilà. Sortir de là, sans problème. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, les problèmes, je connais pas. Là-bas. Il y a encore des chasseurs TIE à notre housse. Ouais, mais moins qu'avant. C'est bien parce que même si t'es pas sur la cible, ça le touche. C'est pour faire croire que t'es un bon tireur. Y passer la journée. Il faut échapper à ces destroyers stellaires. Bah j'y travaille. Allez. Oh non. On doit les empêcher de nous suivre alors. Nous devons détruire leur radar. Et leur tourelle. Ces trucs là ont une sacrée portée, croyez-moi. Les canons laser normaux n'auront aucun effet sur eux. Il faut les toucher avec une torpille à protons. Ouais bah faut trouver les torpilles. Attends, c'est lesquels qu'il faut des torpilles? C'est pas ceux-là. Toi, c'est bon, toi? C'est bon, tu meurs. Voilà. Alors, où trouver des torpilles maintenant? Ah, j'en ai. Oh, j'ai pas eu.
Bon, maintenant j'en ai zéro, mais par contre les premiers, je sais pas où je les ai récupérés. Attends, ça je peux les dégommer normal ou pas? Non, c'est pas cela. Ah, excusez-moi, en fait, tes missiles! On les a où? J'en ai récupéré, je sais pas comment. Ah. Les astéroïdes. Chewie, passe en de cette main. Non, boule de poil, 271. On ne sait pas dans un champ d'astéroïdes. Ça serait de la folie de nous suivre, pas vrai? Vos chances de sortir indemne d'un champ d'astéroïdes sont... Tu sais, moi, les probabilités. Comment on a pu en arriver là? Mort! Ça me fait pas plus plaisir que vous d'être là, princesse. Sortons d'ici! Hop là, l'esquive! Me regarde pas toi. Oh, Mayday, mayday. Allô, aussi Stark. Oh, des sous. Oh. Oh, du coup, va, ça te perturbe. On va faire un petit peu de défi sans le vouloir. Ah, bande de nuls. La balade. Wow, mayday, mayday. Mais oh, t'arrives pas à les viser. Par ici. Excusez-moi, mais où allons-nous? Ah bah heureusement c'est une cinématique parce que je serais jamais passé dans le trou. Plus près. Là, ça m'a l'air parfait. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ouais, je l'espère aussi. Rien ne cloche, R2. Je change seulement de trajectoire. Nous allons dans le système d'Agoba. J'ai envie d'éternuer. Alors, t'en vas où? Aïe, j'ai éternué. Merci. Obi-Wan m'a dit que je pourrais suivre la formation d'un maître Jedi du nom de Yoda sur Dagobah. Bah, je pense qu'on va aller trouver Yoda. Voir combien de temps ça dure. Et on sort pour l'épisode 2 tranquillement. Mais je reçois des données massives sur une forme de vie. Sa vie là dessous. Oui, je sais, c'est long.
Fais donc attention. Actionner, qu'est-ce donc? Je suis certain que c'est sans danger. Il commence à faire sombre. On devrait établir un campement pour la nuit. Mais où est notre campement? Ah, c'est ça le campement? Super. Ok. Bon, en tout cas, je vais pas nager pour aller le chercher. Explorons plutôt les environs. Ouais. Et tout? Bam! Avec un peu de chance, ça éloignera les insectes. Et les autres créatures aussi. Il ne me reste plus qu'à trouver ce Yoda. S'il existe. Ton arme éloigne. Aucun mal, je ne te veux. Je cherche un maître Jedi. Oh, Yoda. Tu cherches Yoda? Oh, je me demande bien ce que je fabrique ici. Nous perdons notre temps. Je ne peux rien lui apprendre. Aucune patience n'a cet enfant. Il apprendra la patience. Oh. Yoda? Il n'est pas prêt. Je suis prêt, je... Ben, je peux devenir Jedi. Ben, dis-le-lui. Prêt, tu crois être? Comment peux-tu savoir? Pour devenir un Jedi, t'entraîner, pratiquer, apprendre... c'est du rapide, quand même. D'accord. Par où on commence? D'abord, fallait sauter. Accomplir ce simple exercice, tu dois. Oui, de la force, l'énergie d'un Jedi découle. Mais au côté obscur, prends garde. Utilise la force. Soulève la pierre. Tu vas rester sur mes épaules tout le long. Attends, faut faire quoi là, vous m'avez dit? Terminer l'entraînement, ok. Ah. Oh. Celle-là, bon, on va la mettre aussi parce que je pense pas qu'il arrive à monter jusqu'en haut. Voilà, on va être travers, mais c'est pas grave. C'est bon. Oh! J'ai spam. Accrochez-vous, Yoda! Colère, peur, agressivité. Le côté obscur de la force, elles sont. Facilement, elles s'immiscent dans une bataille. C'est bon, je suis un maître Jedi. Une fois que le côté obscur t'attire, il te domine. Il te consume. Oh ? Oh non, ça va, il fait exprès. Rien de plus, je ne t'apprendrai aujourd'hui. Efface de ton esprit toute question. Attendez, il y a quelque chose d'anormal ici. Cette caverne, par le côté obscur de la force est habitée. Le domaine du mal, elle est. Dedans, il te faut aller. Ok, ok. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que on avait déjà un petit 40 minutes. C'est déjà pas mal. Entrez dans la caverne. Et ouais, je sais Yoda, arrêtez de m'interrompre, d'accord? Et on se revoit demain à 17h pour la suite de l'aventure. Là, du coup, je vais, pour moi, pour ma part, du coup, je vais enchaîner. Mais comme ça, demain, je pense qu'on va finir, bah, du coup, l'entraînement. Et voir ce qui va se passer par la suite. Parce que j'ai une petite idée par rapport au film. Hein, mais c'est vrai que j'ai une mémoire à chiotte. Je me rappelle de rien du tout. Donc, je sais pas combien de temps pourrait durer l'épisode final de ce chapitre-là. Donc, voilà, on verra bien. On se stoppe là. Et puis, bah, c'est formidable. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. C'était Willy. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.